Et coucou, je vous retrouve pour la suite. Oui, j'ai bien dit la suite de cette série de cartes. Quand j'ai fini cette série, je vous disais que j'étais pas sûre de faire une série d'ATC pour aller avec. Bon, en fait, si, parce que j'ai envie. Donc, bah, comme pour la dernière série, je vais faire une petite ATC avec vous. Je sais que cette vidéo est pas forcément utile parce que je vais pas vous apprendre quoi que ce soit de plus pour vous apprendre. Non, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je peux vous apprendre grand chose, mais je vais pas vous montrer plus de choses que quand j'ai fait les cartes parce que c'est exactement la même chose reproduite en format ATC. Voilà, mais j'avais envie de le faire avec vous encore une fois parce que je trouve ça plutôt sympa de partager ça avec vous. Voilà, donc on part sur une base de cartes Bordeaux, je sais pas trop comment, voilà la couleur, hein. Un fond blanc. Vous le verrez embossé dans la même plaque d'embossage où il y avait donc au milieu c'était plat tout simplement, il y avait que le contour qui était embossé, donc j'ai repris la même plaque et j'ai embossé certains endroits, voilà, de mes fonds. Et donc déjà on va ben, coller, non on va pas coller, non on va pas encore coller ça, on va d'abord positionner, voir comment on met les éléments. Et après, on collera. Donc, on prend un petit sapin. Donc là, un peu plus petit que celui-là de la carte. J'ai trois tailles différentes dans ce modèle de sapin. C'est pas le plus petit. Mais voilà, un petit peu plus petit que le premier. Pas grand-chose, mais sur une ATC, je trouve que c'est plutôt pas mal. Puis par rapport à mes personnages, ça reste correct. Bon, après, j'aurais pu mettre des plus petits, mais bon. J'aime bien comme ça aussi. Donc, je vais mettre... Je suis désolée pour la lumière. Quand je vous ai fait l'autre carte, c'était ce matin pour moi. Il y avait du soleil. Là, lâche l'affaire. Hein. On n'y croit plus. Du coup, on va mettre notre petit sapin un peu comme ceci, comme cela. Voilà, on va le décaler un petit peu pour pouvoir venir mettre notre personnage bien en valeur, bien en évidence. Bon, je pourrais même redécaler un peu le sapin par là même. Je suis un petit peu exagérée en sortant de mon fond blanc. Mais voilà, on va faire quelque chose de comme ça. Donc du coup, c'est là que... Hop. Bon, j'aurais pu enlever la poupette, mais non, c'est pas grave. C'est là que tout va se jouer. C'est que je vais couper, en fait, les petits bouts de branches qui dépassent. Voilà. Pourquoi je n'ai pas encore collé sur le fond. Et je viens aussi couper le pied de mon sapin, parce que je ne le veux pas. Ici, il ne m'intéresse pas. Il n'apporte rien à ma carte, à mon ATC. Donc voilà. Du coup, maintenant, je vais pouvoir coller mes éléments. Donc, ma petite colle, elle est ici. Donc voilà, encore une fois, ça va être une vidéo qui fera moins de 10 minutes. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ben, je sais plus. Voilà. C'est pas grave, c'est tout. Ça me fait plaisir de le faire avec vous. Parce que le problème, c'est comme je ne sais pas vraiment sur quel... type de créa de cartes, on va dire. Je pars, je fais un peu comme ça me vient là. Mais je sais jamais en fait si je vais faire les ATC qui vont avec ou pas. Ça dépend de si je les garde pour mes proches ou si je vais les envoyer à des copinettes. Et en fait, c'est une fois que j'ai fait les cartes que je me décide à savoir si je les garde ou pas. Bref, vous avez compris le délire. On reprend le même petit sentiment aussi. Donc, je me dis que c'est quand même sympa quand je fais les ATC de vous les montrer. Je me répète, je me répète, je me répète. Mais voilà. Genre, je pourrais dire oui, je vous les présenterai tout à la fin. Mais non, en fait, parce que je ne sais pas comment ça va se boutiquer, comment, quel moment je vais les envoyer, tout ça, tout ça. Donc, je préfère vous les montrer maintenant plutôt que ne pas vous les montrer du tout. Voilà. Puis je vais pas faire une vidéo juste de 1 minute pour vous les présenter. Ce sera un peu bête en fait, quoi. Donc, ce sera un peu bête. Non. Bon, en soi, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je. Voilà. J'ai envie d'en faire au moins une avec vous, de vous présenter les deux autres, et puis basta. J'arrête de dire la même chose parce que là, je me radote un peu, là. On va mettre du double face 3D là-dessus. Mon petit ciseau noir, bah, il a disparu. Je vais prendre l'autre, c'est pas grave. Hop. Peu trop grand cette histoire. Hop, un petit peu de colle. Prendre celle-là, elle ira plus vite. Ok.
Et voilà, vous voyez, ça sera encore plus court que ce que je pensais. Parce que déjà, je m'y pose autant de mettre tout le reste de ma mousse 3D. Bref. Du coup, on va venir. Hop, caler ceci par là. Et voilà, notre petite poupette est en place. Ensuite, notre petit sentiment. Et on en aura fini avec cette petite attaché. Voilà. Hop. Je le centre pas forcément. C'est pas grave. Je crois que les autres, je les avais centrés. Ouais. Ouais. Ce sera pas centré. Pas grave. J'aime bien. De toute façon, après, sur le côté, il y a l'embossage. Donc, je trouve que ça fait joli. C'est pas choquant. Ça ne me gêne pas. Donc, voilà pour la petite ATC assortie aux cartes. Bon, je vous présente copains et copines. Mais bon, hein. Encore une fois, c'est la même chose. C'est juste le personnage qui change, éventuellement le sens où j'ai mis le sapin, de quel côté j'ai mis le sapin. Mais en soi, voilà. C'est relativement la même. Voilà, voilà. Tadam, je vous remontre les petites cartes. Et sans vouloir, je les ai mis dans le même sens. Mais encore une fois, quand elles seront envoyées, ce ne sera pas forcément la poupette avec la poupette, le lutin avec le lutin, et puis l'autre poupette avec l'autre poupette. Hein. Mais voilà. 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 Faut que j'arrête avec mes voilis, voilà, voilà. Je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Même si, au final, si vous ne dites pas grand-chose, je ne vous en voudrais pas vu que vous aurez vu les cartes juste avant et que c'est la même chose. Mais voilà, je le partage quand même avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de soirée, bonne, je sais pas quoi, bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Gros bisous. Salut!